Si vous êtes de passage dans le sud de la France et plus précisément sur Montpellier, sachez qu'il existe une boutique non loin de la place la plus connue du sud, la place de la Comédie. Et je parle bien évidemment de la boutique Carte à Papa, un lieu où vous saurez trouver votre bonheur. Spécialiste dans de nombreux TCG, notamment Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon pour ne citer que, vous pourrez en trouver bien d'autres ainsi que de nombreux accessoires en tout genre. Vous y trouverez aussi de nombreux jeux et consoles d'occasion, dont de nombreuses pépites rares, et là vous êtes prévenus, ainsi qu'un espace découverte qui est aussi présent afin de pouvoir découvrir des jeux de cartes lors d'événements ou de tournois, mais aussi la possibilité d'acheter des cartes à l'unité afin d'étoffer votre deck. Mais je pense que notre ami Ojama Noir sera plus apte à y répondre que moi. Bonjour Ojama Noir. Et bonjour Evals. Et où est-ce qu'on est? Eh ben on est chez Carte à Papa. Et ce serait pas un lieu où tu travailles par hasard? Mais bien sûr que si. C'est la boutique, la meilleure boutique de TCG en France, voilà, c'est ici. Voilà, je suis désolé pour ceux qui regardent et qui suivent cette série de vidéos faites du coup par Evals. Alors, c'est ouvert depuis 2007. Depuis 2007, le coin Carte à Papa, toujours, ça a toujours été sur Montpellier. Voilà, c'était côté Louis Blanc pour les Montpelliérains vers les Beaux-Arts, pour ceux qui savent. Et ça a changé de localisation trois fois. Du coup, il y a eu Louis Blanc, ensuite il y a eu... là, en ce moment, c'est à 5-10 minutes d'ici, tu vois, un peu plus excentré. Et là, maintenant, bah, c'est en plein centre-ville de Montpellier, autour de la place de la Comédie. Et non, on ne vend pas que du neuf, on fait aussi des rachats, ce qui fait qu'on vend de l'occasion. On vend de l'occasion, du coup, en tout ce qui est en termes de cartes, c'est-à-dire Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon pour les premiers, et aussi des jeux vidéo d'occasion. Et bien sûr, Card Market, forcément, on a Yu-Gi-Oh et Magic. Magic, notamment sur Magicville, d'ailleurs. Voilà, et sinon, Card Market. Sur les événements, du coup, on fait pas mal déjà d'événements en boutique, c'est-à-dire que toutes les semaines, on a des tournois qui sont pour la majorité gratuits, voilà, des tournois sur quasiment tous les jeux de cartes, comme voilà, l'Orcana, etc. Et aussi, on fait pas mal aussi de tournois Yu-Gi-Oh, notamment aussi du Speed Duel, voilà, avec les lots qui vont avec. C'est toujours super cool, on a une assez grosse communauté, et en plus on est très fiers parce que Mathieu Bricard, il a grandi ici, donc voilà, champion de France évidemment, quoi. Pour Magic, en fait, chaque mois, on se déplace vraiment dans toute l'Europe pour faire des grands tournois, Magic, voilà, comme des salons, tu vois, l'équivalent des YCS. Et pour Yu-Gi-Oh, ben justement, dès qu'il y a un YCS en Europe, eh ben, on y va aussi. On a été là déjà au YCS Lyon, c'était notre premier, voilà, en France, bon, c'était pas loin, c'était cool. On a fait Londres aussi, on a fait le CDE à Utrecht, et là, bientôt, va y avoir Dortmund. On va tous les oublier, on va tous les nommer, on a une communauté One Piece, une communauté Final Fantasy, Digimon, Shadowverse, Dragon Ball Super, voilà, l'Orcana, voilà, après bon, il y a les Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, évidemment, et Flesh and Blood aussi, on n'oublie pas Flesh and Blood, on a de tout, on a toutes les communautés, et ils viennent régulièrement, du coup, à tous nos événements gratuits, et des fois, on fait même des gros tournois de chacun de ces jeux-là, donc on est vraiment une boutique, en fait, qui se développe vraiment dans le multi-TCG, je sais pas trop comment appeler ouais, ça, c'est vrai. Ouais, multi-TCG, et voilà, après, avec tout ça, on rajoute le fait qu'on fasse pas mal aussi de jeux vidéo, voilà, et de vente aussi de jeux vidéo en ligne. Avec tout ça, ça fait Carte à Papa, quoi. Les jeux vidéo en ligne, on peut les retrouver où ça, du coup? On peut les retrouver sur Retro Game Zone, voilà, ainsi que sur le eBay qui porte du coup le même nom. Si vous voulez vous amuser et rencontrer la communauté, admettons, je sais pas, vous adorez One Piece, vous savez pas, eh ben nous, ce qu'on propose déjà à Carte à Papa, c'est qu'on fait des initiations à ces jeux-là. Ça veut dire qu'en fait, si vous venez, on vous apprend à jouer à One Piece, juste après, vous avez le tournoi pour vous amuser, et c'est gratuit, tout est gratuit. Donc, c'est vraiment, genre, vous aimez un jeu de cartes, vous savez pas trop quoi y jouer, vous êtes pas familier à tout ce qui est TCG, vous venez à Carte à Papa, vous demandez à faire une initiation, vous apprenez à jouer à l'Orcana, et juste après, bah, vous faites un tournoi, et tout ça, c'est gratuit. Donc, voilà, c'est sans obligation d'achat du tout. On est là pour s'amuser. On est vraiment une boutique pour divertir les gens. Carte à Papa, c'est plus fort que toi.